Bonjour monsieur, avec nous aujourd'hui Tony John Malaika, producteur et éditeur émérite de musiques africaines depuis près de 30 ans. Il est le coordonnateur du comité de pilotage du concept projet Africa in Gold, un projet dimension internationale que nous nous proposons de découvrir sous sa férule. Bonsoir Tony John Malaika. Bonsoir Belle. Africa in Gold, projet de promotion de la culture africaine et de reconstruction de l'identité de la fierté africaine, 6 ans après son lancement. Tony John Malaika, où en sommes-nous? Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes à l'implémentation de la première édition du projet à Stockholm, capitale suédoise, en 2017, 4 au 6 août 2017. Et voilà, il y a un comité de travail qui est mis en place et puis nous y sommes, nous travaillons à l'arrache publique. Peut-être vous voulez savoir ce qui est fait et ce qui sera fait. Donc, je vous laisse le loisir de poser la question. Africa in Gold, c'est donc un concept projet qui a une double dimension. Une dimension philosophique et une dimension temporelle. La dimension philosophique est liée au projet et a pour but ou pour ambition de redonner de la fierté aux jeunes Africains, quel que soit le continent dans lequel ils vivent. Je rentre dans la question, donner de la fierté aux jeunes Africains, quel que soit le continent dans lequel ils vivent. La fierté d'être d'origine africaine. Voilà. La mission du volet philosophique du projet. Le volet événementiel a pour but essentiel de rendre hommage aux meilleurs auteurs-compositeurs africains, aux pionniers de la musique africaine. Alors, l'idée de base, c'était de rendre hommage aux meilleurs auteurs-compositeurs africains du 20e siècle. Alors, puisque avec les nouveaux apports de nouveaux collaborateurs, nous sommes arrivés à penser qu'il faut rendre aussi un certain hommage aux jeunes Africains qui font du beau travail et qui essayent de valoriser l'Afrique et la musique africaine jusqu'à un certain point. Ce projet, ce concept projet, il naît de quoi? Qu'est-ce qui vous... Qui a motivé le projet? Tout à fait. Ah oui, d'accord. Le projet a été motivé par le fait que je suis parti d'Afrique avec une ambition d'aller étendre mon aura dans un autre continent pour être plus attentif parce que j'ai pratiquement tout fait. J'estime que c'est l'essentiel de ce que je peux faire dans mon pays. Et puis je suis arrivé en Occident, j'ai trouvé que le traitement de l'information sur l'Afrique ne reflétait en rien du tout les réalités de l'Afrique. Alors, à la télé, en Occident, on ne présente que de la misère, des guerres et tout. Et puis, l'idée donc d'Afrique Nord est arrivée comme une révolte pour présenter une autre image de l'Afrique que celle qui est régulièrement présentée dans les médias. C'est donc comme ça qu'est née Afrique Nord, c'est-à-dire l'Afrique en Nord, en opposition avec l'Afrique de guerre, de misère, de dictature et autres. C'est un projet qui vise à qui s'adresse Afrique Nord? Quelle est la cible que vous aimeriez toucher? Alors, Afrique Nord, la cible principale, c'est le jeune Africain qui vit dans le monde. Et puis, la cible plus générale, c'est
tous ceux à qui l'Afrique a été présentée comme le déchet de l'humanité, qui devraient découvrir l'Afrique dans ses réalités. Dans sa réalité, je veux dire, je pense que c'est ce qui est le plus sain, c'est qu'on découvre l'Afrique dans sa réalité. Parce que justement, les gens d'autres continents et d'autres races devraient savoir que l'homme africain a de la valeur. Voilà, c'est. Et, parlant de ce projet, nous avons dit que c'était un projet de reconstruction de l'identité et de la fierté africaine. Comment est-ce que vous pensez qu'Afrique en peut contribuer à la reconstruction et à de la fierté et de l'identité africaine? Très bonne question. Très bonne question parce que le volet événementiel est une espèce de démonstration de force de la musique africaine à travers 54 chaînes de télévision internationales. Et nous, on pense justement que la démonstration de ce potentiel africain dans les médias internationaux prouvera que l'Afrique a quelque chose à apporter dans le rendez-vous de donner l'université, de recevoir, comme on disait Senghor, comme d'habitude. Et on saura que l'Afrique est vivante, parce que l'âme vivante de l'Afrique, c'est sa culture. Et puis, tout le monde sait ce qu'on a proposé en matière de culture. On peut dire que l'Afrique est peut-être à la traîne au niveau de la technologie, mais on sait que la culture africaine mène le monde à ce moment-là. Est-ce qu'on peut revenir sur le programme de cet événement? Du 4 au 6 août 2017 à Stockholm. À Stockholm. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et quand? Alors, il va se passer quoi? Il va se passer que à partir du 4, il y aura une espèce de foire. Ok. Il y aura donc un grand concert public avec 200 000 personnes attendues. Dans un lieu ouvert, ça s'appelle Skansen, Alson Skansen, à Stockholm. Il y aura des artistes donc, africains venus de toutes les origines, à travers la planète, les lois de background africain. Et il y aura aussi, dans ce podium, ce grand concert public, il y aura donc les artistes suédois, d'origine suédoise, pour le plaisir du public suédois. Donc voilà, et puis à côté de cela, il y aura donc des conférences, des débats organisés, ce que nous avons appelé le village africain nord de Stockholm, qui sera donc basé sur Skansen. Il y aura donc une exposition des prouesses technologiques occidentales en matière de son et lumière, donc une exposition et vente. Et puis de l'autre côté, il y aura des distributions. Un stand de distribution de musique africaine où les gens vont venir déguster et puis écouter les musiques, les découvrir et puis les acheter. Et puis les acheter dans ce village, donc le concert de musique, les expositions vente de technologies occidentales, les expositions vente de musique africaine, la prestation de tous ces gens-là. Et puis après, le 5 août 2014, ça c'est le clou de 2017. Le 5 août 2017, ce sera donc le clou de l'événement en fait. Parce qu'il y aura donc un concert, une émission télévisée, un grand show TV live qui sera retransmis en différé et en direct dans 54 chaînes de télévision internationales, et avec une visibilité comme une Coupe d'Afrique de football ou une Coupe du Monde de football. C'est au cours de cette émission-là que seront remis les awards? Voilà, c'est donc African Gold Awards TV Show. Et dans ce programme, il y aura donc la présence des sommités internationales de personnalités telles que Oprah Winfrey, qui a été sollicitée pour l'émission 2017, déjà Washington,
Stevie Wonder, Kofi Annan, Lulu Mandela, Rita Marley et tout réduit sur quelques chefs d'État et de gouvernement qui sont tirés sur le volet, qui vont donc avoir la lourde charge de remettre les African Gold Diamond Awards. Et puis, lors du même show télévisé, il y aura donc les African Gold Awards. Alors, je vous donne la chronologie de la soirée, ce sera peut-être... Non, c'est pas nécessaire. Je crois qu'il faut donner l'explication des African Gold, African Gold Awards et des African Gold Diamond Awards. C'est quoi la différence? Alors, les African Gold Awards, ce sont des trophées portant les noms des pionniers de la musique africaine qui seront remis aux jeunes de la nouvelle génération qui seront triés au courant de l'année 2016 parmi les 54 États du continent. Et ceux-là donc recevront des mains, justement, de ces sommités, Mamou Dibango et autres, des prix qui leur reviendront donc comme une espèce de récompense pour le travail qu'ils ont fait. Et puis, il y aura donc aussi, lors de la même soirée, on va dire donc et surtout, les Africa Ingold Diamond Awards, qui sont donc un trophée qui sera remis, en fait, qui sont des trophées qui seront remis aux légendes de la musique africaine, on peut dire ça comme ça, aux pionniers et légendes de la musique africaine, pour l'ensemble de leur carrière. Et nous, dans notre esprit, Africa Ingold Diamond Awards devrait donc être le trophée le plus prestigieux qu'un artiste africain pourrait rêver de recevoir, que ce soit de son vivant ou longtemps après sa mort. Bien. Sachant la difficulté qu'il y a à déplacer les personnalités cibles, qui sont quand même des personnalités de classe mondiale, qui sont attendues à cet événement. Je pense au chef d'État, je pense Morgan Freeman, Rita Marley et tous les autres, Denzel Washington, Oprah Winfrey. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour vous assurer que cette dimension internationale est vraiment respectée et que ce jour-là, pour cette période-là à Stockholm, on aura tous ces gens qui se déplacent pour la cause africaine? Nous y sommes déjà pris. Nous y sommes déjà pris. C'est pas comme si on baptisait un château en Espagne. Les contacts avec les grosses célébrités ont déjà été pris. Et en fait, c'est ce qu'on tente à contacter depuis 2011 pour l'édition qui va se passer en France. Mais quand nous avons annulé l'édition, nous leur avons fait part du fait que nous avons annulé l'édition 2011. Et ils nous ont dit qu'ils sont à notre disposition pour les prochaines dates. Il suffit juste de les relancer aujourd'hui. Et puis, la seule personne qui est nouvelle là-dedans, en fait, les deux personnes qui sont nouvelles là-dedans, c'est Rita Marley qui a remplacé Rolling Hill qui était à l'origine sollicité. Bon, je ne veux pas dire pourquoi on l'a remplacé. Et puis, on reste dans la même famille de toute façon. Et puis, Morgan Freeman qui a été suggéré par nos nouveaux collaborateurs suédois. Est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir quels sont les partenaires, les différents partenaires que vous avez sur cet événement? Quels sont les gens qui travaillent? C'est quoi l'équipe? Comment est composée l'équipe qui travaille sur Africa Ingold? Où est-ce que les gens sont? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, bien parlé. Alors, aujourd'hui, nous sommes mis en tête qu'il faut avoir un comité de pilotage sur place. Parce qu'avant, nous avons eu un comité de pilotage des gens qui sont sur plusieurs continents, aux États-Unis, au Canada, et en France, en Suède aussi, et ainsi de suite aux Antilles. Et nous travaillions à travers le net. Maintenant, nous sommes partis déjà de la langue française qui était la langue d'origine du projet. On nous retrouvait dans trois langues. L'anglais comme la langue principale en ce moment, le français et le suédois comme les deux langues secondaires du projet. Maintenant, nous sommes donc basés sur Stockholm,
on va dire que c'est un projet africain qu'on a avec les Européens, mais qu'on disons qu'avec les Européens, nous avançons. Nous travaillons, nous avons, ils ont suggéré que nous prenions une stockholding, une société par action, comme s'appelle chez nous UNESA. Donc, la stockholding est donc créée. Ça s'appelle Africa in Gold Global, mais qui continue à collaborer étroitement avec Africa in Gold Europe, l'ONG qui ne connaît pas tout le monde. Et puis, on est dessus, on a signé des contrats avec des spécialistes dans d'autres domaines qui nous sont complémentaires, et on travaille pour achever et acheminer le projet vers sa réalisation en 2017. Afrique du Nord aujourd'hui a une base en Suède avec des collaborateurs qui sont d'origine diverse, des amis de l'Afrique, qui ne sont pas nécessairement des Africains, des Africains qui s'intéressent au projet parce que je peux vous dire que l'Afrique du Nord suscite un engouement et un intérêt, je ne vais pas dire pas possible, mais je dis un intérêt énorme auprès de tous ceux qui le découvrent. Donc nous y sommes, et puis voilà, nous évoluons avec ça. Mais le comité de pilotage sur place est appuyé par un comité beaucoup plus élargi, avec des collaborateurs qui sont dans tous les continents. Il y en a aux États-Unis, au Canada, en Afrique d'ailleurs, et puis en Europe. On n'a pas de collaborateurs en Asie, mais je pense que c'est pas nécessaire. Mais dans la majorité des continents, nous avons des collaborateurs parce que nous communiquons sur Internet. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village où tout le monde n'a pas besoin d'être dans une même salle, mais on s'échange des idées, on se change des propositions, et puis on évolue. Il se trouve qu'il y aura beaucoup, vous envisagez beaucoup de discussions, de débats autour de... Oui, pour le moment nous ne communiquons pas encore, nous n'avons pas encore commencé la communication du projet parce que il y a un plan de communication qui est bien établi. Mais nous continuons à discuter parce que nous, un projet ne peut pas être statique. Il évolue, il a évolué jusqu'alors et il continue à évoluer, donc on va se débrouiller à ce qu'il évolue toujours. Évoluer, bon, disons qu'on a arrêté ce qu'il y a lieu de faire, mais il faut des idées nouvelles pour pouvoir atteindre nos objectifs. Bien, je parlais du programme. Dans le programme de l'événement, j'ai vu qu'il y a prévu des conférences, des débats. Qui est-ce que vous envisagez, comment est-ce que vous envisagez mener ces questions-là pour que ces débats portent vraiment et qu'il y ait quelque chose à faire? Alors, on est dans du professionnalisme. Ça suppose tout simplement qu'on va inviter des professionnels dans des domaines dont on a envie de parler, des domaines qu'on a envie d'aborder sur le projet. Donc on va inviter des professionnels pour pouvoir débattre sur le problème des producteurs, sur les problèmes de piraterie, en fait les mots qui minent la musique. Bref. Parmi les idées phares de Africa in Gold, il y a le livre d'or qui est un point essentiel de ce projet et que nous aimerions découvrir, M. Jomalaita. Qu'est-ce que c'est le livre d'or d'Africa in Gold? Alors, le livre d'or de la musique africaine, c'est comme ça que nous appelons ça, c'est une collecte de données, images, photographies, biographies, des sommités de la musique africaine. Il y aura des sonorités aussi, parce que dans ce cadre, nous avons produit un album qui s'appelle Africa in Gold Music, qui est prêt et que le public aura l'occasion de découvrir, qui fera partie des archives du livre d'or. Le livre d'or est donc une base de données qui comprend les biographies, des photographies, des reportages, en fait tout ce qui pourrait permettre à la musique africaine de garder une histoire. Et ces éléments seront accessibles où, sur Internet? Non, seront accessibles sur... La banque de données sera dans des musées,
qu'on retrouvera, il y aura dans les musées de New York, Paris, Londres et Montréal, ainsi de suite, c'est pas que cela, hein. Mais il y aura donc un volet African Nord dans tous ces musées, African Gold si on veut, dans tous ces musées où il y aura la possibilité d'écouter, de lire, de comprendre tout ce qui s'est passé dans la musique africaine du début jusqu'à aujourd'hui. Et puis surtout d'immortaliser nos meilleurs auteurs-compositeurs, c'est-à-dire les pionniers de la musique africaine. Les archives de la musique africaine, ce que nous appelons le livre d'or de la musique africaine. Mais c'est un livre d'or de données numériques. On est à l'aide du numérique, c'est des données numériques. Donc vous ne connaissez pas Franco, vous allez savoir qui est Franco. À travers cela, vous allez écouter ses musiques, vous allez voir sa biographie, ce qu'il a fait, voir ses concerts, ainsi de suite. Donc ce sera ce travail-là qu'on fait pour avoir l'archive livre de la musique africaine qui sera mise à jour à chaque édition. Voilà. Quand vous dites à chaque édition, cela signifie qu'Africa and Gold se produit à quel système? Bien parlé. Nous avons pour le moment pensé à une vingtaine d'éditions minimum sur 2 ans par édition. Ça nous fait une quarantaine d'années. Donc c'est pas nous aujourd'hui qui allons continuer Africa Nord. Africa Nord continue à vivre parce que il faut reconstruire et dans la mentalité et dans l'esprit du jeune africain l'Afrique en or. C'est-à-dire qu'Africa and Gold, ce sera tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 2 ans, oui. Tous les 2 ans. Oui. Et voilà essentiellement ce qu'on a prévu. Vaste programme pour l'Afrique, essentiellement sur Stockholm. Monsieur John Malaika, est-ce que vous n'avez pas quelques craintes qu'une première édition d'une si grande fête africaine se déroule à Stockholm? Quelle est la représentativité par rapport à l'Afrique? Cette question m'a été posée par des collaborateurs déjà depuis longtemps qui suggéraient Paris, Montréal ou New York. Et nous avons une édition, je vais même dire, rouleuse là-dessus. Et puis, les appréhensions de certains de nos collaborateurs à une certaine époque étaient que on ne peut pas implémenter un projet de cette envergure à Paris. Donc, si nous avons choisi Stockholm, c'est parce que c'est un havre de paix et c'est un pays qui, on peut dire, un pays propre et nouveau. Parce que la Suède, jusqu'à aujourd'hui, est le promoteur du prix Nobel de la paix, le promoteur de la paix à travers le monde. Et puis, tout le monde sait que la Suède s'illustre par sa neutralité sur des conflits internationaux et sur tout ce qui est plus ou moins, je veux dire, entre guillemets, lié à la race, au racisme et tout ça. Donc, Stockholm est le pays où, la Suède est le pays où l'intégration et le brassage entre les races est réel et effectif, que ce soit politiquement ou socialement. Okay. Les autochtones et les allogènes se côtoient dans une tranquillité, sans problème. En fait, en réalité, il fait bon vivre à Stockholm. C'est ce que je veux dire. Parce que la politique d'intégration est réussie dans ce pays. En Suède, la politique d'intégration est réussie. Donc, nous estimons que c'est un pays qui a une réputation de tolérance et qui mérite qu'on le découvre tel qu'il est. Parce que les Africains, les Orientaux, les Suédois vivent dans une convivialité qu'on a du mal à trouver dans d'autres pays occidentaux qui sont plus ou moins compromis dans des conflits mafieux, dans des idéologies un peu douteuses, quoi. Donc voilà, c'est pour cela la Suède. Africa and Gold, un projet
qui interpelle tout le monde, qui interpelle les personnalités de la culture et du politique, mais qui suscite aussi visiblement un grand engouement. Africa in Gold mettra l'Afrique sur le toit du monde parce que ce sera un événement culturel qui se veut de la même dimension qu'une Coupe du Monde de football, c'est-à-dire que le comité de pilotage a du pain sur la planche. Merci Monsieur Joe Malaika de nous avoir accordé cet entretien. Et il ne reste plus qu'à dire le soutien de tous est attendu. Il y a de la place pour tout le monde pour faire vivre l'Afrique et pour lui faire porter l'or qu'elle mérite. Vive Africa Gold. Vive l'Afrique, vive la cohésion internationale, vive le respect entre les citoyens et les citoyens du monde.